Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, chez vous, Christine Bravo. Pierre Bénichoux. Bonjour. Stevie Boulet. Bonsoir. Isabelle Alonso. Christophe Alévêque. Et Caroline Diamant. Pierre, vous avez regardé le match? Ah bah si, j'ai regardé. Je suis encore devant le poste. Isabelle? Mais tout se passe bien. On disait ils n'ont pas marqué de but depuis je ne sais pas quand. Et bien ça y est, ils en ont marqué un. C'est vrai, petit à petit. Petit à petit, il faut rester solidaire. Ben regardons d'ailleurs tout de suite la première photo du jour. C'est évidemment la une du Parisien. Passable avec la photo de Zinedine Zidane. Un nouveau nul qui place les Bleus au pied du mur, ajoute le Parisien. François, journal qui ne fait pas dans la dentelle, titre nul carrément, en très gros. La France flanche pour Libération. C'est que la Corée, c'est peut-être le pays du matin calme. Hein. C'est comme ça, la Corée, on dit le pays du matin calme. Mais en ce moment, la France, ça devient le pays des soirées de merde. Hein. Nos Bleus n'ont pas su faire une deuxième mi-temps aussi bonne que la première. Parce qu'en première, ils étaient très bons. Face à Lee Chun-soo, Lee Young-pyo, Lee Ho-li, Lee Young et Lee Woong-ya. Et avec 5 Lee, les Coréens ont réussi à nous endormir. Ah là là. Bon, en même temps, 0-0 contre la Suisse, 1-1 contre la Corée. Si on veut positiver, on reste invincible. Hein. On peut voir les choses comme ça. Et puis, on s'améliore, vous avez eu raison de le dire, petit à petit. L'équipe de France, en fait, c'est un diesel. C'est aux 24 heures du Mans qu'on aurait dû nous inscrire. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal joué quand même. Non, j'applaudis l'enchaînement. C'est un diesel. Eh bien, moi, je crois que c'est très important, cette victoire du diesel. Oui. Parce que ça veut dire que c'est la fin de l'essence. Parce que les 24 heures du Mans, c'est quelque chose. J'adore quand tu parles foot, c'est tout. C'est intéressant. Moi, je regrette de ne pas avoir regardé le match avec toi. On aurait bien rigolé. Tu aurais regardé les 24 heures du Mans, tu aurais la tête qui tourne. Tellement j'étais excité. Tu aurais dormi au Mans avec moi, je peux te dire que tu aurais eu mal à la tête aussi. On a eu très peur. Bon, le match, vous l'avez regardé, vous, Christine? Oui, je l'ai regardé, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la France, c'est l'équipe de France de football. Et je trouve qu'on vit dans un pays, une grande nation démocratique. Quand je vois que l'Argentine se félicite de 6-0, alors qu'ils sont dans une faillite économique totale et qu'ils disent « l'Argentine gagne », non, l'Argentine ne gagne pas, l'équipe de foot d'Argentine gagne. C'est vrai que la France va bien en ce moment. Je préfère, écoute, qu'on arrête de dire « la France est nulle, la France », c'est pas la France, c'est que du football. N'oublions pas non plus. C'est vrai, elle a raison en même temps. Voilà, c'est pas la France. Non, c'est vrai. Ouais, elle a raison. C'est vrai que là, ça nous fout le moral à zéro, mais comme on a un gouvernement qui est à la pêche, c'est génial. Pourtant, oui. Pour la deuxième partie, on pouvait avoir un petit espoir. Ribéry est entré, il a quand même bien joué, Ribéry. Ouais, c'est vrai. Mais ce but qui nous a été refusé, le ballon était derrière la ligne, Isabelle. Le ballon était derrière la ligne. L'autre fois, on a eu une main. Il y a quelque chose dans l'arbitrage que je trouve c'est pas très mexicain. Il n'y a rien à dire contre les Mexicains. Faut passer à l'arbitrage vidéo. Pourquoi tu fais ça, là, quand tu parles Mexique? C'est pas le Mexique tout entier, c'est un Mexicain. En tout cas, vendredi, contre le Togo, il faudra gagner par 2 buts d'écart ou bien s'en aller définitivement. Togo or not to go, that is the question. Il faut donc, en tout cas, arrêter de critiquer les Bleus. On doit tous continuer à les encourager pour gagner ce match vendredi prochain. Allez les vieux, allez les vieux, allez. Autre photo, quittons le football, regardons plutôt le président Chirac qui ce week-end présidait les cérémonies du 66e anniversaire de l'appel du 18 juin en compagnie de son premier ministre Dominique de Villepin et de Mme Michèle Alliot-Marie, la ministre de la Défense. Ensemble, ils ont ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Enfin, pas tous ensemble, parce que Villepin s'est pas vraiment approché de la flamme, il est déjà grillé à 95% et en plus cette flamme lui rappelle trop Gaz de France. On passe à la photo de Ségolène Royal, entartée vendredi à La Rochelle. Un inconnu lui a jeté un fraisier à la figure. Enfin, quand je dis un inconnu, ça se passait à La Rochelle. Il paraît que le type était venu en bicyclette depuis l'île de Ré, qu'il portait des lunettes, des cheveux frisés blancs et que son prénom était Lionel.
On n'en sait pas plus pour l'instant. Heureusement, Ségolène Royal a très vite retrouvé le sourire. Non. Celui qui faisait vraiment la gueule, c'était François Hollande. Ça lui a fait faire une machine en plus ce week-end. Et en plus, il ne savait pas sur quel programme il fallait appuyer. Pierre, la pauvre, là, vraiment. Hein. La pauvre, cela dit, comme toujours, elle a réagi à l'inverse de ce qu'on imaginait. Au lieu de dire, oh, c'est pas grave, machin, elle a dit, il faut une protection rapprochée pour les candidats. Je comprends pas qu'on ait pu faire ça. Elle a un côté tante Yvonne. C'est ça qui plaît. On va l'appeler tante Ségolène. Elle a raison. C'est la femme la plus médiatisée, peut-être future présidente de la République. Elle a aucune garde rapprochée, c'est inconcevable. Mais vas-y. Ben non, chacun son métier aussi. D'abord, Isabelle. C'est un acte politiquement nul. C'est une agression, et c'est vrai que si on peut l'entarter, on peut aussi l'agresser de manière plus grave, et c'est vrai qu'elle a raison de poser la question de la protection rapprochée. Il y a des cinglés partout. Bon, elle est un peu fautive aussi, à force de ramener sa fraise, fallait bien que... Une photo de Jack Lang maintenant, candidat à la candidature lui aussi. Il a annoncé ce week-end qu'il irait jusqu'au bout. C'est ça, ouais, et Raymond Domenech aussi. On passe à l'ours Balou, dont on ne sait toujours pas où il est passé, il a disparu. A-t-il été tué par un chasseur? Est-il retourné tout seul en Slovénie, dégoûté par les nouvelles lois Sarkozy? Est-il malade parce qu'il est tombé sur une brebis pas fraîche? Bref, Balou a disparu. Peut-être qu'on ferait bien de chercher du côté des deux petits rigolos qui avaient piqué la vache de l'expo. Peut-être qu'ils ont remis ça, ces deux-là. Vous avez vu? Une pause. D'accord, mais... À propos de lâcher d'ours, je crois que c'est nous qu'il faudrait qu'il lâche un peu. Hein. Ah faut oui. pas nous lâcher avec ces ours. Et Balou n'a pas été retrouvé. On va faire un cinquième lâcher. Mais c'est un sixième. C'est mais on s'en fout, on a marre de ces ours. Il y a autre chose que les ours quand même dans la vie. Enfin, les anti-ours sont de très mauvaise foi quand même. Pourquoi? Parce qu'ils disent s'ils sont même pas capables de l'équiper d'un collier qui soit efficace, c'est eux qui ont volé le collier et ils ont dû foutre une vieille marque qui ne fonctionne plus. Donc... Voilà. Je vous aime beaucoup, j'embrasse Balou, où qu'il soit. Moi qui suis un spécialiste des bides, je sais comment ça vient, c'est qu'on parle et on t'entend. Tout d'un coup, le public est de moins en de plus en plus silencieux et on entend sa voix énorme comme ça. Et on dit, et d'ailleurs, voilà pour Balou. Une autre photo, celle du cycliste Laurent Roux, dont le procès commence aujourd'hui à Bordeaux dans le cadre d'un important trafic de peau belge, cocktail de produits dopants à base d'amphétamine. Et on lui en veut beaucoup, c'est normal, plutôt que de tout garder pour lui, il aurait quand même pu en revendre à l'équipe de France de football. Hein. Vous suivez ça de près, ben oui, je suis ça de près, mais le problème, c'est qu'encore une fois, ça tombe sur le cyclisme, alors que nous savons très bien que les footballeurs, les tennismen, les gens qui font de la Formule 1... Ah non, pas les bleus. Les bleus sont pas dopés. Hein. Ou alors, ça marche que 45 minutes. Hein. Allez, on termine par une photo de la cabine d'ascenseur qui a chuté du 13e étage. Ils étaient 11 à l'intérieur. C'est Raymond Domenech qui les avait sélectionnés. En votant la motion de censure déposée par le Parti socialiste contre le gouvernement Villepin en mai dernier, le président de l'UDF, François Bayrou, ainsi que 10 députés centristes avaient clairement voulu prendre leur distance avec la majorité. De là à passer dans l'opposition, peut-être pas quand même. C'est pourtant le cas désormais, puisque la semaine dernière, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a décidé que les interventions radio-télévisées de François Bayrou et des 10 autres signataires de la censure seraient décomptées du temps de parole de l'opposition. François Bayrou s'est dit estomaqué par cette décision du CSA. Pour en parler avec nous, on va accueillir la députée européenne, porte-parole et vice-présidente de l'UDF, Marielle de Sarnez. Bonjour. Alors expliquez-moi d'abord, là quand vous allez répondre à nos questions pendant une dizaine de minutes, c'est compliqué. Est-ce que ça va être décompté ou pas? Parce que... Moi c'est grotesque, c'est-à-dire je suis députée européenne, je ne suis pas députée nationale. Je peux vous dire, si j'avais été députée nationale, j'aurais voté la censure dès demain. Mais comme je suis députée européenne, moi c'est dans la majorité. Donc je peux parler autant que je veux, je peux dire ce que je veux du gouvernement, des trucs ignobles, je serai quand même comptée dans la majorité. Donc on est finalement dans un système totalement stupide, absurde. Débile, ridicule. Grotesque. Bon, alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Faut s'adresser à Dominique Baudis, le président du CSA?
Ouais, écoutez, ce qui est ridicule, c'est qu'on a l'UMP qui a grosso modo tous les pouvoirs dans ce pays, président de la République, Premier ministre, 365 parlementaires, autant que deux jours dans l'année. Mais dès qu'il y a des députés qui ne pensent pas comme eux, qui ne votent pas comme eux, eh bien, il faut les punir. Alors on saisit le CSA, ils ont dit, bah, écoutez, là, François Bayrou a mal voté, il a voté la censure, donc punissons-le. Puisqu'il n'est pas avec nous, il est forcément avec les autres. C'est pas une punition, on ne lui enlève pas du temps. Non, c'est plutôt assez rigolo, à la vérité. Mais ils ont fait ça pour nous punir. C'est-à-dire que chaque fois François Bayrou va parler, on va le décompter maintenant sur le temps de l'opposition. Si, bien sûr que ça va leur enlever du temps de parole. Donc ça enlève du temps de parole à l'opposition. Moi, quand je parle, ça en enlève à l'UMP. Non, mais ils pourraient. On est dans un truc grotesque. Ce qu'il faudrait, c'est que l'UDF ait son temps de parole. Et c'est tout. Mais un système juste intelligent, quoi. Écoutez, ils pourraient se venger et donc ne prononcer que des discours pro-opposition. Oui, oui. Voilà. Oui. Puisque, quitte à ce qu'il fait en même temps, depuis un moment. Non, mais carrément. Discours de gauche. Non, mais ce que vous dites est très grave, parce que ça implique que le CSA ne serait pas indépendant. C'est vous qui le dites. C'est dingue. C'est dingue. Est-ce que vous pensez vraiment que le CSA est aux ordres? Écoutez, ça, c'est très important. J'attends de voir si le CSA change d'avis ou pas. Stevie, je ne comprends pas. Stevie, parce que faut qu'il fasse gaffe, d'ailleurs. Oui. C'est très bien, là, comme ça. Si vous êtes dans l'opposition, lui, il est dans l'UMP. Parce que le CSA, il s'est réuni pour parler de Bayrou, mais... Il pourrait bien se réunir pour parler de lui un de ces jours. Hein. On ne sait jamais. C'est hein. ça que je ne comprends pas. C'est de quel droit le CSA, qui est nommé par le pouvoir qui est en place, on est bien d'accord, se permette de juger un parti politique. Or, c'est dans la Constitution française que je vais citer, article numéro 4. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, ils se forment et exercent leur activité librement. Exactement, bravo. Donc, tout ça, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir, on est protégé par la Constitution, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc pourquoi il y a polémique? Donc j'espère que le CSA va revenir sur sa décision. Je sais, mais ce n'est pas parce que c'est mon parti que je dois fermer les yeux. Il y a des choses que l'UMP fait et moi je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il est libre aussi, il est comme l'UDF, c'est bien. Non, ben voilà, toi tu es le CSA, donc tu me mets dans l'opposition parce que je suis pas d'accord avec mon parti. Moi, je crois qu'il faut qu'on change les règles. C'est-à-dire qu'à l'avenir, si peut-être les personnalités qui composent le CSA n'étaient pas nommées d'une façon partisane, peut-être qu'on n'aurait pas ce genre de dérive. De toute façon, puisque ça va être très important, tout ce décompte du temps de parole, puisqu'on va rentrer dans une période présidentielle, de campagne présidentielle, c'est vrai que chaque temps de parole va être décompté. Et je me demande comment c'est possible de décompter le temps de parole. Non, mais pour les chaînes de télé, ça va être impossible. Parce que ne serait-ce qu'en termes d'audience, je vois par exemple une autre émission, si on nous dit, voilà, vous avez invité trop de gens par rapport... Et en fait, on ne nous dit pas ça émission par émission. On calcule que par chaîne, par exemple, cette chaîne-là, admettons France 2, a donné trop de temps à l'opposition. Ou trop de temps à la majorité. Mais en fait, c'est en fonction de l'horaire aussi auquel passent les invités. Parce que par exemple, nous, on a fait un compte ici, ça va peut-être surprendre plein de téléspectateurs, nous qui avons parfois une réputation d'être un peu, on nous accuse parfois d'être un peu trop à gauche, eh bien, le temps de parole au sein de notre émission a été donné beaucoup plus à des membres de la majorité présidentielle qu'à des membres de l'opposition. Seulement. Et vous voyez, malgré ça, le gouvernement n'est pas très bien barré en ce moment. Alors voilà, alors donc ça devient compliqué parce qu'il faudrait. Mais on les a attaqués. C'était pour les attaquer. C'était pour les attaquer qu'on les a invités. C'est incalculable. Pour l'UDF, c'est pas mal, parce que si vous avez trop de temps pour l'opposition ou trop de temps pour la majorité, vous pouvez inviter un UDF. Ouais, mais c'est quand même incalculable. C'est pas mal. C'est incalculculable, donc je pense que le CSA va revenir dessus. Je crois. Il s'est encore passé une chose qui complique le jeu, puisque si j'ai bien compris, le temps disponible est divisé en 3/3, 1/3 pour le gouvernement, 1/3 pour la majorité parlementaire, c'est-à-dire un peu la même chose, et 1/3 pour la totalité de l'opposition. Mais est-ce que j'ai bien compris hier qu'un certain nombre de députés UMP ne suivent pas leur propre Premier ministre dans cette affaire de fusion Suez-GDF. Alors, comment va-t-on compter le temps de parole des députés de l'UMP qui s'opposent à leur propre Premier ministre? Ils vont aussi arriver dans l'opposition. C'est une très bonne question. Il va se retrouver tout seul de Villepin. Et Sarkozy et Villepin vont se retrouver tout seuls dans la majorité parce qu'il y a eu 200 députés, par exemple, UMP, qui ont voté la censure avec leurs pieds, hein, c'est-à-dire qui étaient planqués à la buvette pendant que Villepin parlait à l'Assemblée. Bah, ceux-là, normalement, on devrait les compter dans l'opposition. Mais ce qui est débile, ce qui est archaïque, c'est qu'on est soit dans l'opposition, soit dans la majorité, soit dans la droite, soit dans la gauche. Et ça, c'est complètement dépassé. Ah, oui, c'est ça. Eh oui, complètement dépassé. Il n'y a plus que la France. Il n'y a plus que la France.
qui réfléchissent de cette façon. On va revenir dans un moment sur cette histoire d'équilibre du temps de parole, mais quand même, moi, je ne vous connaissais pas bien, c'est la première fois que j'ai la chance de lire toute votre biographie, Madame Marielle de Sarnez. Il y a des choses que j'ignorais et qui m'ont amusée. Et évidemment, il y a une question qui me vient tout de suite, puisque vous avez été la créatrice des t-shirts Giscard à la barre. Ouais, ne dites pas quand, c'était il y a longtemps. Bah, c'était quand Giscard a failli, était à la barre. Il n'a pas failli, il a été président. Oui, vous avez fait élire c'est Giscard dingue. D'Estaing grâce au t-shirt Giscard à la barre que vous avez créé. Quel t-shirt préparez-vous pour François Bayrou? J'avais la même question. Je n'ai pas pensé. On a une idée, mais c'est pas très commercial. C'est quoi votre idée? Vas-y. Bayrou dans le trou, mais ça fait pas vendre. Non, Bayrou à la proue. Bayrou à la proue. Bayrou à la proue. Giscard à la barre, Bayrou à la proue. Voilà. Bien excellent. Sûr. Excellent. Je retiens. Ah, bon, vous allez les excellent. Faire, ces t-shirts? Ah, je retiens, j'achète, je prends. 5% pour ma pomme. Ben d'accord. Christophe à l'évêque. Oui, sur cette histoire, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça quand même assez louche. C'est sur la demande d'un député UMP, si je ne me trompe pas, que ça a été fait, par le président du CSA, qui lui-même est un UDF, mais qui a rompu les ponts avec Bayrou. Enfin, tout ça est un peu trouble. Et sans vouloir défendre le CSA, quand même, le recentrage du discours politique, quand même, fait que... Moi, franchement, il y a beaucoup de paroles, de décisions et de ce que... Le temps de parole pour les bègues, comment on calcule? Qu'est-ce que c'est un temps de parole? Parce qu'au fond, si Bayrou se met à parler de foot, par exemple, ouais. Est-ce que c'est décompté de son temps? Ah oui, alors que c'est un sujet qui n'est pas par exemple que l'équipe de France a mal joué hier soir, l'UMP va expliquer qu'on n'est pas voilà qu'on est dans l'opposition au gouvernement. Vous voyez, ça va être un peu et à Raymond Domenech en plus. Ouais. Et d'autre part, est-ce que c'est vrai que celui qui n'a pas sa carte peut s'exprimer en candidat libre et ça ne lui est pas décompté? Parce que on parle des invités qui sont ici, mais les invités qui sont de l'autre côté, Jean Miller, des mecs très engagés, alors c'est pas décompté ça, je pense. C'est-à-dire, quand vous êtes d'un parti politique, clairement, c'est décompté. Comme quand vous n'êtes pas d'un parti politique, Stevie, ça n'est pas décompté. Lui, il aura mais pas à mon avis, parler. Stevie, il va y avoir un problème, c'est mais sûr. Attends, comme il y en a attention. Eu un avec Bayrou, il va y en avoir un avec Stevie, c'est on sûr. On croyait avoir des problèmes avec Stevie, on ne savait pas que c'était des problèmes politiques. Mais t'as pas quand vous dites, Ségolène Royal, au début, ce qu'elle disait nous, me plaisait, nous plaisait, ouais, à nous, ouais. De l'UDF, à nous, à mamie de Bayrou. Or, quand elle... Si elle avait continué à parler un peu trop comme Bayrou, ça vous aurait quand même gêné. Non, parce que ça vous prend du monde quand même. Ça mais vous c'est prend pas du la monde. Question. Quand vous êtes deux sur le même créneau, ça prend du monde. Eh bien, je vais vous dire, c'est pas la question. Si le Parti Socialiste, il peut un peu bouger comme les autres partis socialistes européens, mais moi je trouve ça plutôt bien. On a un mais Parti non, Socialiste. Vous n'êtes pas là, pour le bien-être de la politique française, vous êtes là pour la victoire de Bayrou. C'est marrant, hein. Vous êtes vachement électoraliste, vous êtes vachement en cours c'est comme ça dans votre façon de pour penser. Une fois qu'il y a une moi qu'il y a je un pense que si Ségolène Royal là-dessus. Dit des choses intelligentes, je le dirai et je la saluerai, même si elle est socialiste. Eh bien oui, il n'y a qu'une femme qui est capable de faire ça. Et on pourrait peut-être faire la politique différemment comme ça, ça serait peut-être pas plus mal pour la France. Parfait. Passons de la représentation européenne à la représentation municipale, parce que ça, quand même, peut-être que tous les Parisiens ne le savent pas encore. Vous êtes candidate à la mairie de Paris pour 2008. C'est-à-dire que vous êtes candidate contre Bertrand Delanoë et contre Françoise de Panafio. Alors d'abord, j'ai envie de porter un projet, ça c'est vrai. Et je ne serai pas candidate contre. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas contre Panafio ou contre Delanoë. Je serai candidate pour dire des choses, mettre des choses un peu nouvelles dans le jeu politique parisien. Je pense qu'à Paris, les problèmes sont trop traités de façon idéologique. Je pense que les problèmes de propreté ou de transport ou de logement ne sont pas des questions de droite ou de gauche. Je pense qu'on peut faire de la politique différemment à Paris. C'est ça que j'essaierai de porter. Vous voulez un grand Paris. Vous dites qu'on a une petite capitale par rapport aux autres capitales européennes. On a une capitale qui est petite et puis surtout qui est enserrée dans le périphérique. Hein, on est comme ça à Paris intramuros. Donc on a la banlieue de l'autre côté. Ben moi je rêve qu'on recouvre le périphérique et qu'on crée la continuité urbaine entre Paris et sa banlieue. C'est pas normal qu'on ait cette espèce de ville comme ça au milieu que tout le monde quitte d'ailleurs. Les habitants s'en vont, les emplois s'en vont et à côté on a la banlieue. Il y a un truc qui va pas, il faut réunir tout ça. Est-ce que pour faire plaisir à Pierre, vous allez casser ces couloirs d'autobus débiles du boulevard du Montparnasse, voilà. Notamment Boulevard du Montparnasse, ça suffira. Mais aller à pied, c'est une balade géniale à pied. Vous êtes pour aller à pied ? Ouais. Eh bien, vous n'aurez pas ma voix, vous non plus. Allez, Madame Marielle de Sarnez.
députée européenne, présidente de la Fédération UDF de Paris et peut-être future maire de Paris si elle gagne contre Madame de Panafieux ou Bertrand Delanoë en 2008. C'est tout ce qu'on vous souhaite, mais j'ai souhaité la même chose aux deux autres. Hein, je vous préviens. Merci. Au revoir. Au revoir. Au lendemain d'une série d'agressions, dont deux agressions mortelles par des molosses, des chiens dangereux, incontrôlables, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a demandé la stricte application de la loi du 6 janvier 1999 sur les chiens dangereux et notamment la possibilité pour les préfets de faire abattre les animaux au comportement agressif. Nicolas Sarkozy a également appelé les services de police et de gendarmerie à être particulièrement vigilants et à intervenir si des chiens ne portaient pas de muselière ou s'ils n'étaient pas tout simplement tenus en laisse. D'ailleurs, pour les ours, ce sera pareil. Pierre, je tiens à vous rassurer. Pour parler de ce sujet, on va accueillir un éducateur comportementaliste de chiens, monsieur Bruno Legrand. Bonjour. Vous avez fondé l'école HEC, ce qui veut dire pour vous Hautes Études Canines. Hein? C'est bien ça. Moi, je peux inscrire mon chien aux Hautes Études Canines. Ah, sans problème. Ouais, vous êtes mon invité. Non, parce que je suis obligé, parce que j'ai vu que vous disiez que les labradors, moi j'ai un labrador, les labradors pouvaient être tout aussi dangereux que les pitbulls, rottweilers et autres. Absolument. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les labradors font partie des 5 races les plus représentatives en tant que chien. Il n'y a pas plus gentil que mon labrador. Non, non, pas du tout. Un chien. Ça, la greffe du visage, c'est quand même un labrador qui va vous faire. Oui, absolument, tout à fait, je vous le confirme. Mais enfin, il l'avait énervé aussi. Hein. Non, mais il existe, on essaye pas de ça, dire. Les gens vont avoir la truc quand je vais sortir avec mon labrador dans la rue. Non, non, mais il faut prévenir les gens en leur expliquant qu'il n'existe pas de race gentille ou de race méchante. Il existe des individus qui, de par leur bonne éducation ou leur bonne socialisation, deviennent tout simplement parfaitement équilibrés, sociaux dans leur tête. Le chien ressemble à son maître. Ou alors, pas toujours, malheureusement, pas toujours. Ou alors le chien effectivement peut devenir délinquant parce qu'il a été cocooné, on a fait de la zoolatrie, du zoogatisme avec, et à partir de là, le chien est complètement déifié, mis sur un piédestal, et devient le leader à la maison. Je veux prévenir les gens qui me croisent dans la rue, mon chien est tout à fait gentil. C'est de toi qu'ils ont peur. Non, mais c'est vrai. Il n'est pas gentil, il est devenu gentil parce que vous l'avez bien élevé, bien éduqué. Il ressemble, il va voir les gens, il remue la queue, il fait des jeux de mots, il a toujours le sourire. Alors, je voudrais... Si je peux me permettre de rebondir, le fait qu'un chien remue la queue, c'est pas du tout un signe de contentement, contrairement à ce que les gens pensent. Un chien qui remue la queue, c'est un chien qui subit un état de stress positif ou négatif. Et un chien qui va vous bouffer, il peut très bien remuer la queue, mais il y a d'autres signaux corporels qui, effectivement... Quand la queue raide est droite. J'aurais appris au moins une chose. Non, mais c'est vrai. Merci, c'est gentil. Attendez, vous voulez dire qu'un chien qui agresse quelqu'un peut remuer la queue comme s'il était content. Absolument, c'est un état d'excitation, mais il y a d'autres signaux corporels émis par l'animal qui vont effectivement parfaitement renseigner la personne qui sait lire le chien, qu'effectivement, dans ce cas-là, il faut faire attention. C'est quoi les autres signaux? Alors, les autres signaux, c'est par exemple, en général, le chien est sur l'avant-main, c'est-à-dire qu'il a la queue qui remue en général beaucoup plus basse et relativement plus saccadée. Il a les yeux qui sont avec les pupilles fermées. Il a les commissures des babines qui sont tirées en arrière. C'est lisible, hein, quand on vit avec des chiens, on lit tout ça. Hein. C'est la différence entre Charles Pasqua et François Bayrou. Écoutez, moi je ne sais pas lire le chien du tout. Je ne sais pas lire le chien. En revanche, je refuse d'être bouffé. Et je refuse en plus que les enfants soient bouffés. On est bien d'accord. Alors quand je vous entends dire, les chiens, ça dépend comment ils ont été élevés. Je me fous comment ils ont été élevés. C'est comment ils sont maintenant. Or, les pitbulls, les rottweilers, autres, ils ont la plupart du temps été pris comme des armes par des délinquants, c'est ce voilà, que vous absolument. Dites. Voilà, absolument, tout à fait, ça je suis d'accord. Eh bien, une fois qu'ils sont comme ça, je ne veux plus les voir. Je suis bien d'accord. Et si les autres ont dit, ah ben celui-là il est très gentil, il n'a pas le temps de faire une étude, moi. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le chien, il est devenu comme ça parce qu'il y a quelques énergumènes. Ah ben oui, mais je pleure avec sa famille. Attendez, il y a quelques énergumènes masculins qui traînent leur coucougnette au bout de la laisse et qui se valorisent en étant propriétaire d'un chien extrêmement dissuasif. Le chien, il devient ce qu'on en fait. Je connais, monsieur, des pitbulls qui sont propriétés de sapeurs-pompiers en France, qui font partie de la sécurité civile, qui vont sauver des gens dans les décombres lorsqu'il y a des tremblements de terre. Mais alors justement, est-ce que il n'y a pas un instinct animal, je ne connais pas du tout les animaux, qui, au-delà même quand il est bien éduqué, est-ce qu'il y a un instinct animal? Est-ce que cet instinct ne peut pas
quoi qu'il arrive, un jour, on ne sait pas pourquoi, dériver et faire que, qu'il y ait un accident quand même. Mais votre question me fait vachement plaisir, parce qu'effectivement, il y a un instinct, mais le résultat d'une personnalité, c'est de l'instinctif à 20% et de l'acquisition et de l'éducation à 80%. Regardez le labrador de M. Laurent Ruquier, par exemple. Les labradors sont des chiens qui, depuis 20 ans, ont vraiment une réputation de chien gentil, adorable, chien guide aveugle, ce qui est une hérésie, puisqu'il existe des labradors qui sont comme ça parce qu'on les éduque. Mais à partir de là, le problème, c'est que les personnes handicapées, ils aident des personnes... Absolument, mais c'est une certaine marge de labradors qui font ça parce qu'ils sont pris en main sérieusement par des conducteurs et par des gens responsables. Vous êtes quand même un peu anti-labrador, hein, je trouve. Pas du tout. Nous, notre boulot, c'est de former le propriétaire à éduquer son chien. Donc en général, quand le chien devient agressif, et je précise bien, devient agressif, c'est uniquement parce qu'il y a eu des carences éducatives ou des carences de socialisation. Alors, attendez, parce on que forme le patron et ça rentre dans l'ordre. Parce que vous ne m'avez pas dit finalement si vous étiez pour ou contre les mesures annoncées ou en tout cas l'application d'une loi qui n'était pas tout à fait appliquée jusque-là. En tout cas, la réaction de Nicolas Sarkozy, dire on va les euthanasier, ces chiens-là. Ce sont pour moi des effets d'annonce. Alors qu'est-ce que vous proposez pour rendre les chiens gentils, mais que proposez-vous pour qu'aujourd'hui, il n'y ait plus des drames comme il se passe. Tous les professionnels sont d'accord là-dessus, monsieur. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement assainir les importations, les élevages, bien entendu, en France. On a énormément de chiens qui viennent par camion entier de Slovaquie et de Pologne, qui sont importés en France. Ce qu'il faut faire, c'est aussi expliquer une chose aux gens, c'est qu'un chien, c'est un animal, c'est pas un produit fini. Quand vous avez un chiot, c'est pas un produit fini. Et qu'on n'élève pas un chien avec de l'amour, c'est faux. C'est comme on n'élève pas un enfant avec de l'amour. On élève un enfant avec de l'amour et avec un comportement parental adapté. Alors, on a un devoir d'éducation, comme disait Françoise Dolto, même au niveau des chiens, bien évidemment. À partir de là, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Expliquez aussi aux gens qu'il y a un certain nombre de races qui ont été sélectionnés de la main de l'homme pour être des vrais chiens de travail. Et on les prend comme chiens de compagnie. On fait de la zoolatrie, on les met sur les canapés, sur les fauteuils. Qu'on ait interdit les importations, qu'on ait assaini les comportements des gens, qu'on ait expliqué à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On laisse les vendeurs de cam se balader avec des Rottweiler qui disent aux flics, va la chercher, elle est dans le collier du monsieur, chien. Monsieur, je vais vous répondre une chose toute bête. C'est que moi, je travaille en ville tous les jours, dans les banlieues tous les jours. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des policiers qui ne sont pas formés, qui n'ont pas d'équipement et qui n'ont pas envie de se faire bouffer. Ils sont aussi pères de famille. Et quand ils voient des délinquants, les fameux voyous dont je vous parlais tout à l'heure, avec des pitbulls, des Rottweiler ou autres, ils tournent la tête, on ne l'a pas vu. Par contre, ils vont aller vous embêter, vous ou moi, parce que nous, on est solvable, on a une adresse, on est officiel, et ils vont nous voir, vous avez le permis, le machin, mais ils vont pas s'attaquer à ceux qui sont dans les banlieues à droite, à gauche. C'est un problème de police. D'abord, première chose, avoir un permis de chien. On doit répondre à des critères précis. Interdire l'importation. Moi, j'ai acheté un dog argentin à mon fils. Dog argentin, c'est un molosse, c'est des chiens de 80 kilos. Mais quand on achète un chien comme ça dans un élevage, je vous garantis qu'un molosse qui vient d'un bon élevage, dont on connaît les géniteurs et qui a été sevré en temps, c'est-à-dire quand la mère a commencé à grogner le bébé pour lui dire « Maintenant, mon vieux, tu vas commencer à bouffer tout seul ». Ça ne peut pas être un chien dangereux à la base. Isabelle Alonso. Moi, j'ai eu un dog allemand dressé par des professionnels. Un dog allemand, c'est un très grand chien qui peut être très méchant. Il avait été tellement bien dressé que vous le mettiez devant un kilo de chocolat, vous lui disiez non, le chien bave, il ne touche pas au chocolat. Le mien, pareil. Le tien, pareil, d'ailleurs, il est chocolat. Stevie. Le mien, il est gentil, il est tibétain. Mais... Il est bouddhiste, tu veux dire? C'est des idées de la grosse. Non, mais c'est un taillé du Tibet. Ah, mais non, mais c'est un nounours. Tu le mets sur le ventre, il reste sur le ventre. Oui, enfin, il dort avec moi, il mange avec moi. Que faire? Mais oui, c'est pas bon, mais en même temps, il est tellement trop bien. Il te regarde, il est comme ça. Tu fais très bien le chien tibétain. Ben ouais, mais on... Vous avez beaucoup de chance d'avoir ce petit terrier là qui effectivement qui a un caractère certainement très cool. Mais si vous étiez tombé sur le même, sur un terrier de ce type là, avec un caractère beaucoup plus dur, un tempérament beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus fort, vous auriez effectivement risqué d'avoir un certain nombre de problèmes hiérarchiques avec votre chien. Sachez que la majorité des accidents avec les chiens, c'est à la maison avec le chien de la famille, et c'est surtout souvent par des petits chiens parce qu'ils sont cocoonés complètement, ils sont déifiés. Résultat, ce petit chien va soulever la joue d'un môme, va arracher le nez, les lèvres. Je vois ça dans ma vie depuis 30 ans que je travaille, avec des petits chiens comme ça. Christophe, allez-y. Voilà, le problème, c'est que dès le début, on part sur une idée totalement fausse. Le chien est le meilleur ami de l'homme.
Faux. Bravo. Il ne me viendrait par exemple jamais à l'idée de castrer un ami. Quoique. Et ça, c'était important de le souligner. Et on demande aux chiens de combler beaucoup les manques affectifs. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens pour ça. Oui. On demande de protéger, on leur demande d'être fidèles, on leur demande d'être bienveillants. Mais même un homme n'y arrive pas. Allez, je vais vous demander de vous déplacer. Vous installez à côté de Caroline Diamant parce que nous allons recevoir quelqu'un qui va témoigner dans ce débat. C'est Clotilde, notre lycéenne préférée. Voici Clotilde. Voilà, Clotilde, je vous en prie, installez-vous. Bonjour, Clotilde. Bonsoir à tous. Je ne sais pas salut. Si je vous serre la main. Si que... Salut les ringards. À l'évêque, trop drôle. Donc, je me présente. Je m'appelle Clotilde, mais on m'appelle Clo. OK, ouais, j'ai 16 ans et demi. Je suis en terminale. Enfin, j'étais en terminale au lycée Jean-Luc Lahaye. Et c'est bon, je suis trop vénère, quoi. Pourquoi vous êtes vénère? Parce que c'est bon, toute cette histoire, c'est politique, c'est tout, quoi. Je veux dire, Sarkozy, il sait plus quoi faire pour se faire élire, donc ça y est, il s'attaque aux racailles canines, en gros, je veux dire, c'est ça. C'est vrai que, oh, c'est vrai que les chiens, c'est des voyous, la preuve, ils ont des tatouages. Oh, trop peur. Enfin, moi, je dis franchement que c'est certains hommes politiques qu'il faudrait museler, quoi, pour leur éviter de dire des conneries. Puis il faudrait aussi les obliger à ramasser la merde qui est derrière eux, quoi. Sarko, le meilleur ennemi de l'homme. Je suis mort de rire. Lol. Enfin, les faits sont là quand même depuis quelques semaines. On voit bien, les faits sont là. Ouais, les faits sont là. En même temps, je veux dire, c'est les médias qui montrent le truc en sauce. Je veux dire, les médias n'ont plus rien à se foutre sous la dent. Je veux dire, quand tu regardes le JT en ce moment, c'est 20 minutes sur le foot, 20 minutes sur les chiens. Oh, trop bien. Je sais pas trop en fait. C'est vrai. Vous êtes désolé. Non, bien sûr, je suis désolé. Les chiens du jour au lendemain. Mais les chiens du jour au lendemain, ils se sont pas dit, ils sont pas réunis en réunion extraordinaire avec Mabrouk qui rentre en plan. Ils se sont pas dit, oh les gars, il y en a marre de la discrimination. Les chats, ils sont mieux traités que nous. Venez, on va mordre. Je suis mort de rire. Tiens, le chien, il est méchant, on le sait, c'est écrit partout sur les portails. Attention, chien méchant, chien méchant. Non, c'est pas nouveau, je suis mort de rire. D'accord, d'accord, mais Clotilde, un peu de sérieux, c'est quand même. Ouais. Le problème est bien réel, on en vient d'en parler avec monsieur. Quelles mesures il faudrait prendre pour éviter les risques qu'on connaît? Bah, je pense déjà qu'il faudrait ouvrir un centre de dressage. Pour les chiens dits dangereux? Non, pour les maîtres dits crétins. Non, mais c'est vrai, je veux dire, attends, mais c'est eux qu'il faut stériliser, ils sont trop balourds, quoi. Ah ouais. En plus, t'as vu les noms qu'ils donnent à leurs chiens, je veux dire, Serial Killer, Tyson, Hannibal. Attends, ça fait con, en plus, ça fait peur. Ah ouais. C'est vrai, alors que je veux dire, si t'appelles ton chien Candy, Bambi ou Stevie. Bon, ça fait toujours con, mais ça fait moins peur, quoi. Voilà, je veux dire, Mais quand même, renforcer les contrôles policiers. Ça, on en a parlé, pensait que ce serait utile, ça, quand même. Contrôle policier, je suis mort de rire. Attends, les flics, ils vont dire quoi? Contrôle d'identité ou les pattes? Attends, hey, regarde, on va chercher la balle. Je suis mort de rire. Alors, attends, c'est bon, quoi. Christine quoi, parlait d'un permis. Ouais, non, mais c'est ça, mais bien sûr, mais on va y venir. Christine a parlé d'un permis Absolument, de chien. Absolument, mais maintenant, ils vont installer quoi? Un permis à poil? Pour le chien, ça va être ça, quoi, avec retrait et tout. Peut-être faudrait exclure les chiens. Comment? Exclure les chiens d'eux. Faudrait peut-être renvoyer les chiens mais chez eux. Mais c'est ça qu'ils voudraient, Sarko, c'est renvoyer les chiens dans leur pays d'origine, quoi. En gros, si tu l'écoutes, c'est ça. Bulldog anglais chez les Rosebifs, le berger allemand chez les Schleux, le Pékinois chez les Niaques. Ah, il aimerait trop les mettre dans un gros charter, enfin, un chien charter. Et puis les renvoyer chez eux, quoi. C'est ça qu'ils voudraient. Mais vous-même, Clotilde, vous ne l'avez pas dit, est-ce que vous avez des chiens, vous? Non, j'ai pas de chien moi-même. J'ai un lapin nain. Un lapin nain, mais il est super violent. Ah ouais, ah ouais, ce matin, je l'ai vu, il a défoncé une feuille de salade comme ça, lui, elle a rien fait. Non, en tout cas, tout ce que j'aimerais dire sur le sujet, c'est que tout ça, à mon avis, c'est tactique et politique. Ah ouais. Vous savez quoi? Parce que là, les chiens aboient et la droite passe. Clotilde, Florence Foresti. Doucement, doucement. Il m'a trop mordu, quoi. Et ça, c'est beau, hein? C'est pas un chien gentil, ça? Hein. Vous connaissez cela? Ouais, c'est de la zoolatrie, pardon. Je sais pas quoi faire, je lui dis attaque, il me lèche. Allez, on vous remercie, Bruno Legrand, sur le problème des chiens. Merci à vous.
Notre dernier invité pour ce soir, c'est Nagui, puisqu'à partir du 3 juillet sur France 2, l'animateur-producteur présentera quotidiennement un nouveau jeu. Tout le monde veut prendre sa place, un jeu assez courant dans le PAF, faut le dire. Et comme visiblement il aime travailler pendant les grandes vacances, eh bien Nagui co-animera aussi avec Pascal Selem le marathon des jeux. Il va nous expliquer en quoi cela consiste. En tout, deux émissions spéciales sur France Télévisions cet été. Accueillons tout de suite Nagui. Quel accueil ! Ça me rend. Bon, voilà Nagui. D'accord. Prenez-en de la graine, voilà comment on anime une émission. On arrive, on dit c'est l'été, revoilà Nagui. Ben oui, c'est vrai, l'été on a l'habitude. Vous nous manquez pendant l'année, sauf pour ceux qui regardent Taratata sur France 4, mais on vous voit un peu moins. Quoi ? Pour celui qui regarde Taratata sur France 4. Et France 3. C'est vrai que c'est diffusé sur France 3 maintenant. C'est ça. Ça c'est plutôt bien, pour les chanteurs et pour vous. Chanteur, alors j'ai une très très bonne nouvelle, il y a quelqu'un que vous devez absolument inviter ici, une fille qui s'appelle Ayo. Elle est passée dans le Taratata la semaine dernière. Ayo, ah, ça je connais pas. A-Y-O, et elle est en tête des ventes depuis qu'elle est passée en Taratata, c'est-à-dire depuis deux jours. Elle est de la famille de ravissante. Michel Ayo-Marie. Oh là là, c'est une grande émission. Yes. Tout le monde veut prendre sa place. Voilà un bon titre de jeu. C'est valable pour plein de gens. C'est valable pour Raymond Domenech, vous voulez prendre sa place, non, pour être sélectionneur? Ah bah, 60 millions de Français veulent prendre sa place. C'est ça, c'est valable pour Thierry Ardisson, vous... enfin pardon, non excusez-moi, donc... c'est valable pour... C'est une bêtise, pas du tout. Ah non, tout le monde est au courant. Oui. D'accord. De quoi? Que vous prenez sa place? Ben, je crois, hélas. Ah bon? Pourquoi hélas? Ben hélas, pour l'émission Tout le monde en parle, moi j'aurais rêvé que l'émission continue. Ah évidemment. Mais vous êtes content de la faire aussi? Évidemment, mais enfin, voilà. Je la fais parce qu'il s'en va, le pauvre, voilà. Ah, c'est pour rendre service? Ça va. Ça va. Mais attendez. Il y a l'abbé Pierre. Pourquoi non, vous mais Laurent. Mais pourquoi mais je la prenais grave. Ah voilà. Ah, bah, tiens. Ils vous l'ont pas donné. Mais non. Et pas bien fait. Ils m'ont même pas appelé. Ah, c'est ça, bien sûr. C'est une case de rêve. C'est marrant, on veut prendre sa place. Ce sera à midi, c'est bien ça? C'est ça. Du lundi au samedi. C'est ça. Voilà. Vous présentez tout seul, là, cette fois. C'est ça. Le principe de Tout le monde veut prendre sa place. C'est ça. C'est quoi? C'est dans le titre. Un champion, que des questions de culture générale, un champion. C'est un peu le principe de l'America's Cup, pour ceux qui connaissent. Ou non, si. Alors, le principe de challenger qui viennent s'opposer entre eux jusqu'à ce qu'ils puissent affronter en finale le champion. C'est comme si là, on attendait que le Brésil attende la finale pour voir qui va venir jouer contre eux en finale. C'est un peu ce qu'on fait, nous, l'équipe de France de football. C'est ce qu'on aurait pu souhaiter après 98. Ouais. Et puis, c'est l'été des Jeux pour vous, parce que vous allez aussi vous lancer dans le marathon des Jeux télé, en co-animation avec Pascal Selem. Alors, c'est rigolo, là, le principe, hein, j'ai vu. Hein. On reprend tous les Jeux cultes de la télé pour deux soirs, pour s'amuser avec des personnalités sur que le meilleur gagne, facile à chanter, le juste prix, l'Académie des Neufs. Voilà. Non mais c'est formidable, vous qui avez fait tellement d'émissions. Oui. Vous allez reprendre toutes les émissions des d'un coup. D'un coup. Voilà. C'est quand même costaud. Là, avant de mourir. Vous êtes un beau salaud. Avant de mourir. Isabelle. J'ai lu un truc dans votre bio que j'ai trouvé très rigolo par les temps qui courent. Il paraît qu'à vos débuts, on vous a dit que Nagui était un prénom un peu trop exotique et que vous feriez mieux de vous appeler Jean-Claude ou Gérard, que ça serait mieux et que vous aviez exotique, refusé. C'était trop typé. Typé, c'est ça le mot? C'est-à-dire qu'il y a eu, j'ai eu plusieurs remarques sur ce prénom. Alors, trop typé, c'était... Alors, gardez Nagui, mais prenez un prénom comme Laurent, Christophe, Jean-Albert, que sais-je, derrière. Mais ne gardez pas Nagui comme prénom, parce que là, c'est trop typé, ça fait trop exotique. J'ai eu droit dans le Nouvel Obs, au moment de Nulle part ailleurs, à un joli texte qui disait « Si Canal avait voulu prendre un pari ethnique, ils se sont trompés en prenant Nagui ». Je trouve ça classe pour un journal de cette couleur-là. Ils ont dit ça? Ils ont dit ça. Il y en a même qui vous ont appelé Rosivart. Il y a eu... et puis pour finir, il y a eu, toujours dans le même genre agréable, Figaro qui avait dit « Comment un animateur non français se permet-il de juger notre littérature ?» Donc voilà, non. Tout ça s'est passé il n'y a pas si longtemps. Pierre Bénichoux. Christine, bravo à moi, Nagui. Ben moi, j'adore Nagui. Je trouve que c'est le meilleur animateur en France, avec Reichmann. C'est notre Reichmann, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très beaux. Enfin, non mais attends. Ça part, t'as bien. Attends, non mais très, très beaux, je veux dire. Ça commence bien, en général. Non,
Non, mais ils sont pas parfaits, Reichmann. Il a une tache rouge qu'il ne cache pas. Nagui, bon, il est pas très grand. C'est pas Brad Pitt, tu vois. Laurent, c'est pareil, je veux dire. Je le savais un peu en même temps. Oui, mais moi, j'ai envie de l'entendre. Non, vous êtes... et tout ça, c'est Miss Monde qui l'a dit. Hein. Ah, c'est bon. Est-ce que je voulais te dire, alors, en fait, est-ce que justement, puisque tu as tout ce talent, est-ce que tu t'es pas senti frustré d'être un peu cantonné au jeu, mis à part Taratata, et de pas finalement prendre des cases intello comme celle que va prendre notre camarade Laurent intello comme celle-là. Celle du samedi soir. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Lolo a une immense culture, donc c'est vraiment mérité, mais est-ce que tu t'es pas... Mais je veux dire, toi, t'arrives, tu es là bien avant lui... Oh, c'est Miss Lexu, maintenant. Tu es là bien avant lui... Laurent, attends, il est arrivé après moi, il s'est pris un set d'or, pas moi, tu vois, c'est bien énervant tout ça. Est-ce que toi... Oui, c'est vrai. Le petit, il arrive, on lui file tout, des sets d'or, des cases. Et les gens comme nous qui avons vraiment mouillé la chemise... Bossez, des vrais bossers. On n'est plus rien. Non, je veux dire, est-ce que... Elle va t'entraîner dans sa chute. Alors, voilà. Voilà ma question. Merci pour tout. Je n'ai pas le sentiment de n'être plus rien. Non, mais j'entends bien. Est-ce que tu n'es pas frustré quelque part de ne pas avoir une... J'adore faire des jeux déjà parce que apprendre des choses en s'amusant, et c'est aussi ce que vous faites en, sous forme de talk. Moi, je fais avec une règle du jeu, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Alors qu'au début, j'avais juré que jamais je ne serais animateur de jeu. Mais très honnêtement, pour, sans vouloir revenir sur les polémiques ou les critiques de l'époque, j'y avais cru un tout petit peu en faisant du par ailleurs de pouvoir justement rentrer dans sacro-saint monde du talk show et de l'interview dite entre guillemets intelligente mais néanmoins drôle. T'as pas moralité, raté le coche. Non, mais en fait j'ai cherché à plaire à des gens qui définitivement ne m'aimeront jamais parce qu'il y a cette espèce de racisme intellectuel. Je n'ai pas la carte et donc il fut un temps comme ça, on passait sur, mais une époque que vous avez connue aussi, on passait sur Canal+, en lâchant une énorme caisse, c'était branché, c'était drôle, c'était Canal, forcément merveilleux. La même caisse, le même P, avec le même vent sur TF1, c'était monstrueux. C'était scandaleux, c'était évidemment la beaufrie la plus totale. Si on lâchait une caisse sur service public, c'était du détournement d'argent, de la redevance pour faire des obscénités. Il a raison. Mais Canal, c'était branché. C'est voilà. Vrai, c'est et il y avait même Mizou Mizou, le péteur que Bruno Carrette, que je salue au passage là où il est aussi, avait fait. C'était cette espèce de branchitude. Voilà. Je l'ai tu pas. Tu l'as pas donc. Eh ben c'est pas grave. Et je suis ravi de plaire à des gens normaux qui aiment Interville, qui aiment que le meilleur gagne, qui vont regarder Tout le monde veut prendre sa place. Et je vais aller sur le Tour de France et je vais être dans la voiture, faire coucou à tout le monde sur la route. Juste une chose, Nagui a été respecter. Celui qui a mis de l'élégance à la télé avec Ardisson. C'est vrai qu'Ardisson a mis de l'élégance dans ses décors. Il a chiadé les lumières et Nagui a été un des premiers à mettre de l'élégance dans ses émissions. On pourra pas en dire autant grâce à Pulcino. Caroline Diamant. C'est joli ton décor. Non, il parlait pas du décor, je crois qu'il parlait des chroniques. Caroline. Caroline. Moi, j'ai rencontré Nagui quand j'étais du côté maison de disques et que j'accompagnais voilà, les artistes sur le plateau de Taratata. Les artistes adoraient le faire, nous, on adorait les accompagner, on adorait cette émission. Alors, au début, les gens disaient, oui, l'audience n'est pas énorme, mais nous, dès qu'un artiste passait, le lendemain, c'était un raz-de-marée et les gens allaient acheter, c'était ce qu'on appelle type l'émission prescriptrice et tout le monde se battait pour la faire. Donc c'était génial. Alors les jeux, j'adore ça. Après, vous avez fait du tutu, tu vois. Classe. 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 Non, je n'en ai jamais fait. Alors, après, les gens vont penser que c'est pour ça que je fais de la télé et que j'ai commencé si tard. Alors que, pas du tout. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Il paraît que t'es championne au qui-sus-qui. Quoi? C'est lui qui me l'a dit. Isabelle, fais quelque chose. Là, je trouve ça pas drôle. Alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, lui, mettre ta marron. Elle joue avec nous. En plus, on sait qui c'est, donc. Alors. Ça rit même dans les coulisses. Stevie. Et ce qui est incroyable chez vous, enfin, ce qui est incroyable, non, la vie, c'est que vous avez à peu près le même parcours, vous deux. Ah bon? Savez, oui, il y en a beaucoup d'animateurs de télévision aujourd'hui qui ont commencé comme ça, en travaillant dans des petites radios en province ou en région. Toi, c'était France Bleu, Laurent, je crois. Oui, France Normandie. Au Havre et à Rouen. Oui. Les radios France décentralisées, oui, c'est, oui, ça, voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est... Radio France Côte d'Azur. Il y a plein d'animateurs qui arrivent à gagner Paris en partant de la province. Souvent, et je trouve ça bien. Parce qu'il y a, non, mais il y a plein de personnes qui veulent travailler à la télévision, qui ne savent pas comment faire parce que c'est un milieu très fermé. La radio est une très bonne école.
Ouais, c'est une bonne école, mais c'est aussi un bon passage pour un jour finir à la télé. Et les gens... On va finir peut-être pas, mais la radio est un très très bon exercice. Et vous ne vieillissez pas, vous aussi. Donc d'ailleurs, on va me priver après 19 ans, ça me fait bizarre. Pourquoi faites plus de radio à la rentrée? J'ai appris ça, voilà, c'est viré après 19 ans. Sur Retenin? Ouais. C'est fini, Retenin? D'après ce qu'ils me disent, ouais. C'est un choc pour moi. Mais c'est vrai que ça va manquer la radio. C'est même pas marqué dans notre dossier. C'est pas marqué non plus. sur mon papier, c'est pas marqué non plus. Alors, c'est quoi votre secret de beauté pour ne pas vieillir avec le temps qui passe? Allez, lâche-toi, Laïe. Le secret de beauté, comme parce c'est que. Faut quand même bien dire, si RTL le lâche, c'est parce qu'il a atteint les 60 ans. Et il y a une date limite. Mais c'est comme Anne-Marie Pesson. Au bout d'un moment. Normalement, vous les récupérez après comme invité sur votre émission d'Europe. Voilà, exactement. Voilà, je suis libre. C'est con. C'est con. C'est une bonne idée, ça, tiens. C'est con. Tout le monde veut prendre sa place tous les midis sur France 2 à partir du 3 juillet. C'est présenté par Nagui. Puis il y aura deux grands primes, le marathon. Des jeux télé, on n'a pas encore tout à fait les dates, mais ce sera en juillet et août, de toute façon. Non, mais je crois que nous, on les aura pas non plus. Les dates? Non, ça va... C'est pour surprendre la concurrence, tu sais. La veille, ils vont le sortir. Ah, c'est demain. Et puis, vous retrouverez Nagui soit sur France Inter, soit sur Europe 1, soit sur RMC Info à la rentrée, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une radio qui n'y pense pas si RTL le lâche. Merci, Nagui. Merci, à toi. Kikabuki. Alors, vous connaissez le principe du jeu. Yes. Regardez, Stevie est en tête avec 15 601 points. Perry Cochin est derrière. Christophe Alévèque est en bonne position aussi. Dans les profondeurs du classement, on va noter surtout la présence de Christine Bravo avec 970 points. Vous pourrez généreusement distribuer vos points si vous trouvez une bonne réponse. Voici la première photo, Nagui. Alors, de qui s'agit-il? Charles-Philippe d'Orléans. Non. Combien de points? Moi, je ne parle pas sans points. Moi, je sais. Italien? Non, le nombre de points. Ça vaut 200 points. Guy de Grey. Oui, c'est le machin de Savoie, là. C'est le Victor Emmanuel de Savoie. 200 points pour Nagui. Nagui? On a pris une photo de lui jeune, évidemment, pour pas que vous le reconnaissiez, parce qu'il a un peu changé depuis, mais effectivement, il a quelques ennuis avec la justice, le prince Vittorio Emmanuel des Savoie. Toute la famille essaie de le soutenir quand même. Hein. Et Clotilde Courau, on a des nouvelles? Elle-même, la princesse Clotilde, paraît-il, a loué une maison avec toute la famille pour aller soutenir le patriarche. Non, c'est bien. Mmh. Ça vous fait 200 points, surtout, Nagui, que vous pouvez distribuer à qui vous voulez. Tout de suite ou je peux attendre la main? Tout de suite, maintenant. Là, maintenant. Mais c'est vachement. Ça va mettre tout le monde de mauvaise humeur. Tu donnes à la Non, à la ça va mettre quelqu'un de très bonne humeur et dans de très bonnes dispositions. Voilà, on verra tes goûts. D'accord. Tu donnes à la personne dont le nom commence par A. Isabelle. C'est Isabelle Alonso qui ramasse les 200 points. Je suis ravie pour toi. Photo suivante. C'est la famille royale. Que regarde-t-il? Ah, ben les avions passés. Bah oui. Excellente réponse. Un point pour Stevie. Je suis en premier, c'est pas grave. Photo suivante, ça vaut 200 points. Allez, hop, je les donne d'avance. Qui c'est? Oh, ça je sais. Raphaël. Combien de points? Raphaël, pas du tout. Combien de points? 200. Mick Jagger. C'est Paul McCartney. 200 points, pourquoi Paul McCartney? Parce que c'est son anniversaire, il a 64 ans et c'est aussi, il chantait When I'm 64. Exactement, comme dans la chanson. Hey, 200 par 200 Il y a même une réunion de téléphone sous la tour Eiffel pour chanter When I'm 64 pour saluer les 64 ans. Qu'a fait ce monsieur? Regardez cette photo, ça vaut 1000 points. Il s'est pas fait couper les cheveux? Pardon. Ah mais il a bien fait en tout cas. Il a épousé Nicole Kidman, il s'appelle Keith Urban. 1000 points pour Caroline Diamant. Yes. Bravo, alors là, bravo. La 200 les autres amis. Parce que c'était plus difficile, ça. Parce qu'il n'est pas connu. Il n'est pas connu, c'était plus difficile, donc c'est en fonction de la difficulté. Il y a du favoritisme. Par exemple, la photo suivante, elle vaut, à mon avis, 500 points. Babar, je sais, c'est les 80 c'est ans Laurent, du fils du créateur, Laurent de Bruno. Non, ma question, c'est qui est sur ce dessin? Ah, Babar. C'est le premier croquis de Babar. C'est Laurent Célestin. Non, pas Célestin. Le premier croquis de Babar. Il s'appelle Hippolyte. Non. Un mec du Parti Socialiste. Allez, 1000 points. Benabar. Vous voulez quoi, le nom de l'éléphant? Le nom, là, oui. Oui, comment il s'appelle? Le professeur, quelque chose. Non. Céleste. Et un professeur. D'ailleurs il avait dit quand j'aurai ma couronne, Gontran. Je te donnerai mon chapeau. Comment? Je l'avais dit. Gontran. Non. Durand. Non. Cornelius. Dupont. Cornelius. Isabelle Alonso. Et c'est à elle que vous avez donné vos points. C'est le 75e anniversaire de Babar et parmi ses amis, effectivement, la vieille dame Céleste et Cornelius, que vous avez reconnu, Isabelle Alonso. Bravo. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien.
Vous n'allez pas quitter France 2 cet été, vous ne quitterez donc pas Nagui tous les midis sur notre chaîne et qu'on retrouvera évidemment en prime aussi avec ce marathon Merci. Des jeux et un marathon de l'été pour vous. Tout est déjà enregistré, vous allez vraiment bosser cet été. Non, on bosse cet été, on bosse cet été. Bon, alors, bon courage, nous on part en vacances. Merci Nagui, à demain. Merci.